Le grand gagnant, c'est lui. Après une bataille acharnée, François Baroin obtient ce qu'il voulait. Il remplace Christine Lagarde à Bercy, devient ministre de l'économie et des finances et quitte son poste de porte-parole du gouvernement. Will you be disappointed if you don't get the Ministry of Economy? On prendra des cours ensemble. Je voudrais tout simplement partager avec tous nos concitoyens, avec les Français, la fierté qui est la mienne, la fierté de toutes les femmes aussi à travers moi, de prendre une fonction importante. Et je voudrais simplement vous dire qu'ici, pour moi, bat le cœur de la République et que le mien bat pour vous. Aujourd'hui, c'est Christine Lagarde qui remplace Dominique Strauss-Kahn au FMI. Voilà. Et moi, j'espère remplacer Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et je veux rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun. C'est cela, l'identité de la France. Aussi, j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Martine Aubry est première secrétaire du Parti Socialiste. Je lui rends l'hommage d'avoir travaillé, remis au travail le Parti Socialiste. Et en ce qui me concerne, je suis le candidat des solutions nouvelles. Je suis le candidat de la relève des idées et des générations nouvelles. Je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce message. Créer, repenser, inventer, moderniser, changer, renouveler, rénover, transformer. L'autre actualité politique, c'est la primaire des écologistes. Et cette surprise, Eva Joly devance très largement Nicolas Hulot dans la course à la candidature pour 2012. L'ancienne juge a même failli être élue dès le premier tour. Les résultats ne sont pas franchement ceux que nous attendions. Merci quoi qu'il en soit déjà à celles et ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Vous pouvez compter sur moi pour la suite. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vais aller jusqu'au bout de cette primaire. Quatre hommes pour entourer le président, quatre autres officiers de sécurité, dont un en civil, pour neutraliser celui qui l'a bousculé. Nous allons gagner car nous sommes la force de transformation économique, écologique, sociale et républicaine de notre pays. On est là pour quoi ? Pour bouffer. On va dire ça, ça passe à la télé, ça va plus, ça m'en fout.